Déla, oui, mamie. Je te connais. Tu fais toujours des misères aux servantes et garçons de cour. Je te rappelle, chérie, que Claudette vient juste de commencer. Donc, je te prie de bien te comporter envers elle. Mamie, mais je reconnais aussi que tu as la mauvaise habitude d'engager des gens qui comprennent qu'ils ont 40 ans. Vim, n'est-ce qu'on parle là? Tout simplement, espérons que ta Claudette reste à sa place. Ah bon? En tout cas, je veux que tu me promettes que toi aussi, tu resteras à ta place. Ok, madame. Très bien. Laisse-moi aller contrôler un peu ce qu'elle fait. Oui, mamie. Viens chercher mon gars pour moi. Qui l'a ça, mamie? Kounia, je suppose que c'est une démonstration déjà. Mamie, si c'est Kounia, vraiment pas capable. Oh, oh, ça fait ça. Parce que bien, il faut que je ne pas caractère, mamie. Ouh, Leila. Mon date m'a fait des dîners en là que petit la rentrer aujourd'hui. Hein? Mamie, ou dis-moi, il a fini, c'est bon, pas de jambes de 10 qui joue. Ou bien, la vieille fois, la vieille mise, on fait passer dans la station. Hein? Ou fait dans la tenue. Et puis, c'est là dans la station où elle est. Dis-moi comme ça, sans dire la parole à personne, non, ni moi, ni moi-même. Si tu m'en étais malade de machine et que son monde qui tourne avec lui, c'est mort. Franchement, pas comprendre ça qui a passé. Si tu arrêtes aux ou pas qu'on est que cousine ou à rentrer, je dis. En tout cas, vraiment pas capable. Voyager là. Comment, oh, Leïla? Vous connaissez très bien, mamie, tout d'un, vous connaissez que mal passé l'école, moi. J'ai bien assez, vous pas chez moi, pour moi. Pourquoi ça m'a pas insisté pour les gars? Et bon, allez, voilà. Comment, même, c'est même pas capacité? Maintenant, nous décidons de connaître qui laisse qui prend dans la station. Parce que nous connaissons clairement que la machine est en panne, donc son seul véhicule qui est disponible dans la carrière. Oh, Claudette, tu as bien frappé. Où on est là-bas là, à l'ouvert non? Claudette, attends, on dirait que c'est n'importe rentrer à dans des portes pour t'aller frapper là. Regardez-moi. Mais pas ouais, ou même ma honneur qui t'est marié, mon fruit, m'a réglé ça avec ce total. Madame Noël, saisie. Saisie. Ces affaires à chercher dans les stations. Elle t'a parlé là, mademoiselle. Entrez-nous. Comme j'avais la maison de la maison, cela a été fait. Moïra, ne me dis pas que tu connaissais cette maison. Mais bien sûr, j'étais venue une fois avec mamie, tu ne t'en pas. Non, ce n'est pas une question d'oubli, chérie. Dans la tête, moi, c'est dans l'autre cas qu'elle est revenue. Mais viens, donc, viens t'asseoir, chérie. Claudette. Oui, madame. Viens pour la valise de mademoiselle, mettez-la dans la chambre pour moi. Mais qui a chambre, madame? Comment ça qui a chambre, non, Claudette? Mes chambres étaient fort préparées pour lire. Franchement, Claudette, je ne pas trop comprendre, non? On dit que j'en distrais. C'est travail là pour qu'on comprenne. Ah, c'est pas ça, non, madame? Ah, moi,
Mira, comment vas-tu? Ça va, et pour toi? J'espère que tu es déjà là. Ça va très bien. Tu vois, mamie, elle pouvait venir toute seule. Mamie tenait à ce qu'on a été chercher à la station, ma chère. J'avais oublié qu'elle connaissait la maison. Mais de toute façon, c'était normal qu'on aille la chercher. Oh, je sors. À plus tard, Mira. À plus tard. Leïla, tu sors. Oui. Mais où vas-tu? Mamie, je vais voir quelqu'un. Tu vas voir quelqu'un? Ce quelqu'un, il n'a pas de nom par hasard? Oh, mamie, à comment te dire le nom de la personne puisque tu ne la connais pas? Leïla, allô, assez pour moi de sortir ça. Seulement. Je ne vais pas être un problème, mamie. Mais pas gagner, d'accord? Ok. Bye-bye. Ok. Oh, maintenant, dis-moi, ma chérie, à qui l'a quitté ce matin? On va quitter trop bon, on connaît ça, c'est pas vrai. Léla, attends même pour qu'elle me moule. Qui est où? Métionville. Je suis désolée, je vais à ta bord. Ah, bon, bon, avec deux cassettes pour moi. Toujours des cassettes, quoi? Jamais des livres? Tu viens avec nous. Je ne sais pas encore. Ça va, j'y remonte. Tant mieux. Allô? Allô? Sabine, comment tu chéris? Tu es bien, merci, et toi? Pas comme je le voudrais. Qu'est-ce qui manque à ton bonheur? Mais j'ai une néglige. N'es-tu pas en train de quémander une visite? Peut-être. Donc, je vais venir te voir. Avec plaisir, quelle heure tu viens? Aujourd'hui, aux environs 2-3-4 heures. D'accord, je serai très contente de te voir. C'est réciproque, j'espère que je ne serai pas déçu. Hein? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Qu'est-ce que tu insinues, Bertrand? D'accord. Ah, tu en viens de que. Quiet! Puis, quand il a vu quoi ça s'appelle là, non? Quand tu es venu dans son parrain, c'est qu'on est tout. Et tu vas très bien? Tout au bien, Tati. Tonne vierge et Yvette ont suivi tes instructions et ont bien pris seul moi. Ma chérie, ça a été vraiment un grand choc pour moi d'apprendre que tu étais tombée en syncope dans le bus et qu'une âme de bonne volonté a dû retourner à ses mains avec toi. Merci, Tati. Merci pour tout. Particulièrement pour ces deux nuits passées à mon chevet pendant que j'étais encore inconsciente. Chérie, c'était normal. Tu es un peu ma fille maintenant. Dis-moi, tu as pris tous les médicaments et surtout toutes les vitamines que je t'ai envoyées? Ah, je sais de prendre les vitamines quand j'ai constaté qu'elles m'ont fait grossir. C'est vrai que tu as un peu grossi, mais rassure-toi, tu vas retrouver ta ligne ici parce que nous faisons tous du sport. Passons à autre chose. Ou régler toutes sortes de gueules qui a venu? Oui, depuis la première fois, elle m'a venu. Elle fait tout ça de gueules, mon frère. Bon, c'est qu'elle a sûrement pas jeune monde pour me quitter, m'obliger. Femme. Et comment est-ce que maman a fait avec elle? Bien, mon quitté de mamie, le mari côté homme, bien, il dit que j'ai appelé, bien, il dit que. Finalement, elle va. Après, ça me venait ce qu'on essaie de me faire. Et t'es elle-même, sauf elle. Bon. Il était quitté dans le monde depuis avant, maman était mauvais. Toujours quitté dans le meilleur, parce que maman est déjà fini de mourir. Maman a quitté mon femme mal pour elle. Oh chérie, les hommes, on pas faire bien que ça. L'homme, on a besoin de bagailles dans le meilleur. Libre bon Dieu sans confesser. Puis bon monde passe, il n'y a pas gagné. Mais l'homme finit une sale besoin en tout. Puis mauvais monde passe le tout. Ah, mais de toute façon, tu t'es débrouillée comme une grande. Je suis fière de toi. Yes. Excuse-moi un petit moment. Oh, Iga, tu vas bien? Ça va, et vous, toi? En forme. Ah, on a été complètement de main. Ah. En tout cas, compliment, moi, venir ça pour quand tout. Alors que maman t'a fait un chaud tout à l'heure. Ah. Après ça, en forme? Non, qu'est-ce que tu dis? Pas moi, Gilbert, c'est où là? Allô? Comment vas-tu, ma chérie? Je vais bien, merci pour toi. Je suis chez moi, pourquoi? Ah bon? Tu viens? À quelle heure tu comptes passer? 2 heures. Ok, d'accord. Bye, chérie. Je t'aime. Qui a... Comment elle fait du maquillage là pour le barrer? La fin de mes jeux de ça, non? Comment ça, tu m'as? Où pas répondre, mais non? Regarde, Tommy. Rad? Si c'est Rad qui est rangé sur vous, normalement, il faut pas la ouïe.
Mamie, c'est style la fosse là, oui. Style qui ça? Ranger à de la sous, on dit. Mamie, c'est nouvelle génération qui ça, oui. Qu'est-ce que ça fait de nouvelle génération à parler de la Gilbert? Ou quand ça crée, pas aimé en fait. Parce que dans la condition ça, moi, sans les marchés, tout tourne sur le monde. Alors, moi, de ma talent sous, on dit. Ok, mamie. Bon, bien. Gilbert, pas bêtise sur la femme. C'est parce qu'on est comme non. Ah, Claudette, où est-ce que ça fait une nouvelle génération ça? Si on parle, les parents mettent la petite fille, la finale pour lui. Ça dit assez vrai, madame. Allons-y, allons-y, moi y va. Viens, je vais te montrer le cache. Je pensais que tu allais mieux venir. Pourquoi? Quelle heure est-il? Il est 3h25, non? Tu allais bien, c'est 2h. Je ne suis pas si en retard que ça. Tu m'avais pourtant toi dit 2h30, n'est-ce pas? Chérie, tu sais très bien. Avant l'heure n'est pas l'heure. Après l'heure n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure, mon amour. Tu es venu ni à 2h, ni à 2h30. Bravo. Et je vois que tu as bien appris ta leçon. Il n'y a pas que cette leçon que j'ai bien appris, chérie. Quoi d'autre? L'heure du temps, merci. Toi, mon amour, et tu sais, je te connais bien. Ah bon, tu penses me connaître? Tu es une bonne? Ah non, 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 merci. De quoi tu peux? De rien. Oh. Allons-y. Où? J'ai quelque chose que je vais passer près de quelqu'un. J'aimerais bien que tu puisses avec moi. Chérie, je viens juste d'arriver. Restons ici ensemble. Chérie, je ne comprends pas. Pas là ce matin. Et c'est très important. Viens, allons chez mon amour. Et ensuite, on fera tout ce que tu veux. Moi, je voulais rester avec toi. Chérie, tu sors avec moi, mon amour. Ce n'est pas la même chose. Je me sentirais beaucoup plus à l'aise chez toi. Et je resterai tout seul avec toi en toute intimité. Allez, on va se taire. Ok, on va bien. C'est normal, tu t'es perdu dans tes pensées. Tu as raison. Viens. Okay. Dis-moi, comment tu trouves la nouvelle femme? Bien. Toi, t'es l'élève, tu es merveilleux. Et moi, je ne suis pas plus merveilleux. Bien sûr que tu l'aimes. Tu m'en passes une petite. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Ouais. Oui, là, je t'appelle. Oui, Tati, j'arrive. Une semaine. Ah bon? Et comment ça marche pour toi là-bas? Tout va très très bien, Stace. Et ta femme, comment va-t-elle? Je suis divorcée il y a 6 mois. Écoute, ça n'est pas en Haïti. Mais bien sûr, pourquoi? J'ai essayé de l'appeler, mais son téléphone a toujours sonné sa réponse. Dis-moi, comment va petite Lisa? Ta petite Lisa? Elle va très bien, grâce à Dieu. Elle me ressemble? Va la voir et tu juges à toi bien, mon vieux. Stace, tu sais très bien que celui ne vous doit pas. Et ça est quand même. Qui ne risque rien à rien. C'est comme si vissait exactement.
ça m'a besoin. C'est comme si il m'a cherché sans rester juste joindre. Ce sont ces canons que Dessalines utilisait pour nom des femmes. Ah bon? Tu vois bien l'histoire d'Haïti. Je dois te l'avouer, moi, je n'étais pas tout brillant en histoire et c'était encore pire en géographie. Tu veux faire les maths, la physique? Moi, je déteste les maths. Mais comme tu le sais déjà, ici c'est Fort Jacques et jusqu'à face on a le Fort Alexandre. Tu veux y aller? Non, pas aujourd'hui, chérie. Oh. Je vais parler d'autres choses, mon amour. Oh, comme quoi, par exemple? De toi, mon amour. Oh là. Elle est fatiguée. Il n'y a pas grand chose à dire de moi. Tu sais, tu es essentiel, tu es désirable. Je me sens flattée. Allô? Oui? Ça blague. Ok. 1-5-4 alors. Bye. C'était qui? Le facteur. Il était venu m'apporter des courriers. C'est un ami? Le facteur, vu la façon dont tu lui as parlé. Oui, bien sûr. Bon, chérie, rentrons. Ah, mais je crois que tu voulais pas rester chez toi. Rappelle-toi, j'ai voulu qu'on y rentre après la visite. À ton ami qu'on a d'ailleurs même pas trouvé que tu voulais pas. Je change d'avis, chérie. Mais je me sens très bien ici. Chérie, je crois que tu m'avais bien dit. Tu te sentirais beaucoup plus à l'aise chez moi. Entre temps, ça a changé pour moi aussi. Vraiment, je veux rester là. Chérie, fais-moi plaisir. J'ai grand envie d'être dans tes bras. Ok, mais à une seule condition. Laquelle? Que tu me laisseras dormir un moment, puis après je rentre chez moi. Ok. Je veux que tu aies mangé. Pourquoi? On est pas sorti bien naturellement, appétit me coupé. On ne mange pas ce qu'on a fait, on mange pour se nourrir. Je sais. Mais j'ai bien aimé le balai, il faut que tu aies vu. Ouais. Je comprends que tu as. Mais il ne faut pas quitter la vie sur toi. Tu as besoin de santé, force. Maintenant, on mourit déjà. C'est où pour confier moi-même? Qu'on aime, mais naturellement, on va sentir bien appétit me couper. C'est normal, mais il faut faire effort. Moi, je vais me faire remettre pour vous. On a fait juste un acteur à ce aussi pour lui. C'est un médecin d'attiré. Maman, là, c'est un homme qui connaît un produit naturel, il est en pile. Même si le médecin qui met ses prises pour les médicaments, il ne peut pas le faire là. Ah mais c'était de famille comme ça. Moi, je préférais boire thé que le bâton premier. Maman, là, son l'état, oui, petit. Tout le marché sous le gars pour ne pas venir sous le thé. Dis quoi dans thé, il faut que nous boire thé. Dis quoi dans sport, il faut tout le monde fait sport. Bon, parce que c'est de bons bagages, sport à thé. Je ne dis pas, mais. T'as qu'un sport là, c'est pas par là même. Nous faisons ensemble pratiquement chaque jour. Leïla, tout. C'est ça que Leïla, mais c'est comme ça. Leïla, il manque. Où qu'on est? Mais ma mère même beau diable. Pas qu'à vous, ma mère pour faire demoiselle, mon diable là. Toi, tu ne fais pas de sport, tu pourrais commencer à courir avec moi dès demain matin, si tu le veux. Pourquoi pas? Je viens te réveiller dans ce cas. Ça va bien? Soudain, ils vont bien. Ils vont pas blague. Vous devez faire comme ça tout le temps. Il n'est pas bon pour vous faire ménagement tout le temps. Bon, apparemment, il m'a habitué. D'ailleurs, c'est pour moi, mon papa, je ne sais pas. Je dis toujours qu'on a dit, mes amis, c'est eux-mêmes, c'est pour Pédou, c'est l'église, moi. En bon, ça n'a pas une église, moi, ici. Il y a une église plus bas là. Vous allez aimer l'église en Pédou. Oh, c'est seul ça me travaille, bon Dieu, pour tout ça, je veux. Eh bien, là aussi, tu seras gâté. Parce que ma mère ne gâte jamais ses messes.
Elle tient à ce que nous l'accompagnions, mais là, c'est un vrai contact. Même Leïla refuse d'y aller. Ça doit faire beaucoup de peine à tante Hélène. Peut-être. Mais c'est la façon de maman exige les choses qui nous révoltent de l'aliment. Ça va. Ah oui. Désolé, ma pensée en bas avec une petite table. C'est quoi? Mouira, si je bien comprends. Tu vas guérir mes tissus tout ça, man. Guérir mes tissus, man, non plus. Mais Rosa. Ouais, bien deux amis filles. En fait, mes amis filles et mes garçons. On dit aux amis garçons. Vous voulez parler de ménage? Ménage, non. C'est vraiment un beau ami. Tout le monde pas jambler quoi que nous pas aimer. Ce sont de bons garçons. Comment lui aider? Maxime. Attends, c'est bon. Allô? Hello. Moi, comment vas-tu? Je vais bien, quelle coïncidence! Et pourquoi? Nous parlions justement de toi, mon cousin et moi. Ah, en de bons termes, j'espère. Bien sûr! Mais oui. Dis-moi, comment va tout le monde? Tout le monde va bien. Tu as parlé à Christelle? Mais oui. Elle m'avait appelé l'autre jour. Ah, ok. Je crois qu'elle rentre à Port-au-Prince la semaine prochaine. D'accord. Tu nous manques tellement, tu sais? Vous me manquez aussi. Quand est-ce que tu pars? La semaine prochaine. Tu passes me voir, j'espère. Ok, pas de problème. Et alors, tout va bien pour toi? Très bien, grâce à Dieu. J'ai mon cousin Gilbert qui prend bien soin de moi. Ok, j'en suis content. Alors, tu continues à t'occuper de ta personne. Ok. Merci, toi aussi. Prends bien soin de toi, ok? Ok, bye. Bye. C'était Maxime. J'imagine. C'est vraiment quelqu'un de bien. Je ne l'oublierai jamais. Monsieur l'avait beaucoup rentré? Non, il faut rentrer. Non seulement Monsieur Gilbert avec Mademoiselle Moïna qui est là, Monsieur Gérard lui-même, il faut rentrer. Ah, bien content pour vous, Claudette, parce que moi, on est à manger. Claudette, tu vas dans la casserole, ça, nous pourrons acheter les toits de Régène. Allez, prends l'autre, prends l'autre, prends l'autre. Oui, Claudette, fais plus vite. Oh, t'as déjà me dit ça. Allume le four, non? T'as qu'un gaz, non, madame. Depuis le matin, c'est un charbon, ma petite. Un charbon? Quand est-ce que le charbon sort cette vie? Claudette, pas dire que c'est dans le quartier où là, c'est un charbon à crédit pour venir servir la caille, moi? Oh, madame, pas de jambes pour ça. Ah, bien content pour pas faire ça. Moi, pourquoi dire non quand est-ce que le charbon sort cette vie? Bien, moi, j'ai dit que je t'ai coupé. Au lieu de me quitter au gaspillé, je t'ai prêt à me faire charbon. Oh là là! Qui fait ici que la pas rien dit respecter? Pour nous même là c'est fatra que Pierre Boyoué. Il dit non, il dit c'est où que tu as dit le couper. Qui ça nous a dit? Moi même qui t'a autorisé le faire bagaille comme ça? Quête. À moins que c'est un Pierre Boyoué un problème quelconque. Claudette, ouais jour ça avant de sortir. Moi dit gardien, il va débrancher Pierre Boyoué avant d'aller voir les plantes, c'est tout. Mais le rentre là bas ouais non? Si tu le rentre faire ouais appel. OK? Madame, eh bien, mettre café sur manger. Oh Claudette, qui semble me faire, continue de faire manger. Seul bagaille, songez à partir de jeudi. Avant même que le bagaille finisse dans le cas là, on va pas vêtir. Oui, madame. On va pas remplacer. Ça, c'est principal. Quand on a débrouillé, tout le monde prête pour entrer. Salut, tati. Ah, chérie, comment vas-tu? Ça va. Tu as été à la fac? Oui, j'ai été, mais le rythme n'était pas là. J'ai rendez-vous demain. Entre temps, comment ça prépare tes pièces? C'est déjà fait. J'ai appelé à la banque, on a mis la somme sur ton compte. Donc, il ne me reste qu'à te donner les livres. C'est ça. D'accord, chérie. Je te dis. Laisse-moi tranquille. Maman est occupée, tu dois manger avec moi. Laisse-moi tranquille, je te dis. Laisse-moi tranquille, je te dis. Ouvre la bouche, ça. Laisse-moi tranquille, je te dis. Elle ne veut pas manger. Comment ça, elle ne veut pas manger? Laisse-moi faire. Merci. Lisa, tu dois manger. Lisa, je suis pressée, je dois sortir, d'accord? Ouvre ta bouche, je te dis. Je n'ai pas Lisa. S'il te plaît, je n'ai pas qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Oh, tu m'aggraves. Non, elle n'est pas grande fille, elle est bébé Lala. Je suis grande. Non, tu ne veux pas manger. Je dis que tu dois manger, sinon tu n'auras pas la force pour manger.
Oh, Mathieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Va trouver Darlene, chérie. C'est quoi ta bonne nouvelle? Jimmy est en Haïti. C'est ce que tu appelles une bonne nouvelle? Laisse-moi finir au moins. Vas-y, je t'écoute. Il est divorcé. Oh, je suis vraiment désolée pour lui. Je n'ai toujours pas terminé. Quoi encore? Il aimerait vous revoir. Lisa et toi. Ah, ça non. Jamais. Il m'a bien dit, figure-toi, que tu ne voudras pas le revoir ni même entendre parler de lui. Céline, dis-moi, Lisa est sa fille, non? Tu ne m'apprends rien. Il a le droit de voir sa fille. Écoute, Stacy. Quand Lisa sera grande, elle fera ce qu'elle voudra. Mais pour le moment, c'est non. D'ailleurs, quel que soit ce qu'il t'a dit, Jimmy, il ne viendra pas chez moi. Et si par hasard, un jour, il décide de revenir? Il ne viendra pas, crois-moi. Céline, il faut que tu réfléchisses. Lisa est une petite fille intelligente. Il est temps que tu lui parles de son père, c'est-à-dire son père biologique. Samedi, il sera là. Où? À la fête. Attends. Tu es folle ou quoi? Pas que je sache, mais Céline, il peut venir. Où est le drame? Ah, tu n'as pas vu le drame? Non et non. Jimmy sera là. Un invité comme tous les invités. De plus, tu n'es pas obligé de lui parler. Tu as raison. C'est ta fête, tu en fais ce que tu veux. Tu invites qui tu veux. Mais moi, je ne viendrai pas. Ah non, Céline, cela n'aura aucun sens. C'est toi qui avais l'idée d'organiser cette fête? Oui, mais tant qu'il y aura Jimmy, tu devras passer de ma présence. Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Oh, tu appelles Jimmy, tu lui dis qu'il n'y aura plus de fête? Ah non, Céline, cela n'aura aucun sens. Ok, fais-moi confiance. Tu peux venir, pour le reste, je m'en occupe. C'est d'accord? Je ne sais pas encore, je dois réfléchir. Céline, tu ne peux pas me faire ça. C'est d'accord? Mais les où là? Qui bombe en jeune comme ça pour me bailler, monsieur? Hein? Qu'est-ce que tu as? Hein? Pourquoi? Je te trouve bizarre. J'ai la migraine, c'est tout. Mon gars, depuis Stéphane, il est là, moi pas là. Ok? Gilbert, s'il y a quelque chose qui te tracasse, tu peux m'en parler, tu sais? Ne t'en fais pas. Tout va bien. Merci de t'inquiéter pour moi. C'est gentil. Pas possible. Non, Gilbert, tu as un problème, mais tu ne veux pas m'en parler. Mais c'est quoi? Tu as une Virginie, m'as-tu dit? Ben oui. D'abord, un accouchement assez difficile, ensuite, il y a 2 heures. J'ai reçu la visite d'une mère accompagnée de sa fillette âgée de 14 ans pour un avortement. Un avortement? 14 ans? Ça alors? Ce n'était pas sa maman, la dame? Ah oui, la
fille a été violée par le garçon. Quoi? Ça alors? Comme tu le sais, je ne pratique pas l'avortement. Je viens donc de commander une gynécologue. Mon Dieu, quelle méchanceté! Mon cher, c'est vraiment terrible de constater à quel point les hommes sont méchants. Ouais, l'homme est bien gardé, pas de j'aime Dieu pas faire mal, non? Imagine que tu as 14 ans pour pouvoir me violer, même. Je pense que deux histoires n'ont pas attendu. Ça doit réfléchir. Franchement. Bref, tenez-nous, papa. Sans faire pour gagner, même. Pour gagner ça, on va lui montrer qu'un score. Mais, on va réfléchir. En gros, ça a fait du ça beaucoup de monde. Intéressant, non? Attends. Pas de bouger, même. Figure, quoi. Gauchine, quoi, le tango. Et puis, tu ne peux pas me taxer ici. Ah, Stacy. C'est ça, quoi? C'est ça, tu peux pas me éviter, bébé. Oh, ça que fait ça. Stacy, son fils qui dort mieux que le madame. On est à la montée en haut avec. Il va mettre tête sur le bas. Attends. On voulait dire, pour j'en fais ça, faut boire mon goût avec. Mais c'est tout. Je me connais si c'est pas ça seulement le buzz. Ça fait un maximum de précautions avec tout. Ah, partner. L'autre dit précaution, faut sûr que le prend un vrai. Parce que, ouais, mesdames et messieurs, ils pas joué sur ça. Ils ont toujours dit qu'ils prennent précaution. Et puis après, c'est retour à faire de bon. Vous prenez un coup ça déjà. Tenez, monsieur. Tout le temps, mon cher. Bon, le dernier bagaille qui vient dernièrement, même. Ça, il y a un vrai. Ça, sauve. Son directeur. Depuis la garçon, ça marche beaucoup de monde. Mais comme tout cas, votre nez est bon. Ah, t'es là, mon cher, un moment de folie. Ah bon, un moment de folie. Mais attendez, mieux, votre nez. Ouais, un moment de folie, ça, c'est tout le plus dangereux dans la relation sexuelle. La majorité des camarades sexuellement transmissibles, c'est aussi là que nous jeunes, parce que ça passe un jour. Oh, les deux minutes, quand même. C'est qu'ils font dans les vols. Oui, ils ont eux-mêmes. Bon, on va faire quitter ça. Cher, l'autre semaine, là, on vit notre stabilité. Là. Mais madame, moi, je me pose. Le problème, là, il est venu. On a tellement mettre dame dehors. Greg, pourquoi moi, grand monde, remettre ceci ça? Pourquoi c'est pas accepté pour l'autre film? Ah oui, non, je ne vais pas faire un bail comme ça, mon cher. Mon grand monde pense que mon gars fait choix pour moi. Et puis, d'ailleurs, moi, avec ceci, nous sortons les verres, mais c'est tout le monde, il connaît très bien que pas qu'il y a un de sérieux entre nous. Ça, Grégoire, tu peux faire la vie. Ah, toujours même bagaille. Et pas qu'à venir bonheur, qu'on passe qu'à venir côté. Finalement, Flor a son gros cas. J'aime un d'amour, ça. Moi, Grégoire d'amour, faut le nerf. Ça ne c'est pas ça du tout. Grégoire va même qu'à briller pour lui, non? Et pas fouiller, Stacy. Déployer connaissance féminine. Fais tout ça, m'a capable pour me faire Grégoire plaisir. Il va jamais satisfait. Et pas bah, blague dernièrement, qui ça dit? Qui ça? Les dîmes vivent avec le papi jamais possible. Si je suis un autre monde qui remet et moi je vais vivre avec, je vais aller. Les garçons disent un bagage comme ça. Fille a boué tout à côté de lui. Non, mais je ne vais pas dire ça, Stacy. Eh bien, ma chère, réveille-toi parce qu'il l'a dit. Et je ne sais pas quoi qu'on pense qu'il a fait maintenant. Non, quelle idée folle. C'est parce que je ne sais pas maintenant, mais je vais connaître très bien. Mais je ne vais pas être d'accord avec l'autre monde ici. Mais je ne vais pas faire choix pour lui. La preuve. Les gros équipes, mesdames, n'ont pas sorti avec. Oh, mamie, bah, j'aime pas dire. Hein. Oh, vous voyez, c'est deux heures pour vous. C'est seul où mamie a accepté de venir ici. Céline, vous voyez, le plus gros problème, moi, c'est que je remets Grégoire et c'est Grégoire qui m'a remis comme mari. Ah, ça va, Dieu. Ce que la femme veut, Dieu le veut. Tu as raison. Vous aussi, l'acceptez, mais. Gagnez la surface pour le capter tout, papa. Là, on bouge ça. Là, elle dit ça à tout, elle dit que je ne suis pas comme ça. Oh oh, et vous-même, t'es moi, ou pas pour quitter la jeune aiguille, mais. Bah, un problème, non? Moi, avec ceci, nous sommes. Oh, ça arrive. Eh, vous comprenez? Ceci, c'est un mot, ça va la dire. Pour me dire, vous. Ok. Allez, je vous. Je suis un géant de papier. Je
Je suis un géant de papier. Je te veux. Vraiment? Tu sais bien, Lorraine. Tu es la seule femme qui fait mon cœur. Quand je suis avec toi, je suis corse. Mamie, que ça va? Allô? Oui, mamie? Ah, ça va? Oui? D'accord. D'accord. À tout à l'heure. Je suis désolée, je ne vais pas rester plus longtemps. Mais je vais retourner, d'accord? Je vais faire quelque chose pour ma maman et puis je retournerai. Vas-y, vite. Attends-moi, ok? Oui, d'accord, vas-y, vite. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de te voir, mon chéri. Tu as dit que tu allais venir. Hein? J'ai l'avis, j'ai tellement envie de te voir. Ça m'énerve. Bonjour. Pourquoi madame Hélène Duplain? Qui est-ce qu'a pris le bout? Il a pris ce jour. Qui ça? Madame Leval, saisie. Ces affaires à chercher dans les stations, t'as parlé là, mademoiselle. Entrez-nous. Ne me dis pas que tu connaissais cette maison. Mais bien sûr, j'étais venue une fois avec mamie, tu ne savais pas. Non, ce n'est pas une question d'oubli, chérie. Dans la tête, moi, c'est dans l'autre cas qu'elle est revenue. Mais viens, donc, viens t'asseoir, chérie. Claudette. Oui, madame. Viens pour la valise de mademoiselle, mettez-la dans la chambre pour moi. Mais qui a chambre, madame? Comment ça qui a chambre, non, Claudette? Mes chambres étaient fort préparées pour lire. Franchement, Claudette, je ne pas trop comprendre, non? On dit que j'en distrait. C'est travail là pour qu'on comprenne. Ah, c'est pas ça, non, madame? Et pour toi, j'espère que tu es déjà là. Ça va très bien. Tu vois, mamie, elle pouvait venir toute seule. Mamie tenait à ce qu'on a été chercher à la station, ma chère. J'avais oublié qu'elle connaissait la maison. Mais de toute façon, c'était normal qu'on aille la chercher.
Oh, je sors. À plus tard, mon gars. À plus tard. Leïla, tu sors. Oui. Mais où vas-tu? Mamie, je vais voir quelqu'un. Tu vas voir quelqu'un. Ce quelqu'un, il n'a pas de nom par hasard? Oh, mamie, à comment te dire le nom de la personne puisque tu ne la connais pas? Leïla, parle assez pour moi de sortir ça. Seulement. Je ne vais pas être un problème, mamie. Mais pas gars. D'accord. Ok. Bye bye. Ok. Oh, maintenant, dis-moi, ma chérie, à qui l'a quitté ce matin? Je ne vais pas quitter trop bon, mais on connaît ça, c'est pas vrai. Léla, attends même pour qu'elle me moule. Qui est où? Pétionville. Je suis désolée, je vais à ta bord. Ah, je rentre avec deux cassettes pour moi. Toujours des cassettes, quoi? Jamais des livres? Tu viens avec nous? Je ne sais pas encore. Ça va, Jérôme. Tant mieux. Allô? Allô? Sabine, comment tu chéris? Tu es bien, merci, et toi? Pas comme je le voudrais. Qu'est-ce qui manque à ton bonheur? Mais j'ai vu l'église. N'es-tu pas en train de demander une visite? Peut-être. Donc, je vais venir te voir. Avec plaisir, quelle heure tu es? Aujourd'hui, aux environs 2-3-4 heures. D'accord, je serai très contente de te voir. C'est réciproque, j'espère que je ne serai pas déçu. Hein? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Qu'est-ce que tu insinues, Bertrand? D'accord. Ah, tu es bien sûr. Quiète! Puis, quand il a vu quoi ça, Sabine, là, non? Quand tu es mis dans son parrain, c'est qu'on est tout. Et tu vas très bien? Plutôt bien, Tati. Tonne vierge et Yvette ont suivi tes instructions et ont bien pris seulement. Ma chérie, ça a été vraiment un grand choc pour moi. D'apprendre que tu étais tombée en syncope dans le bus et qu'une âme de bonne volonté a dû retourner à ses mains avec toi. Merci, Tati. Merci pour tout. Particulièrement pour ces deux nuits passées à mon chevet pendant que j'étais encore inconsciente. Chérie, c'était normal. Tu es un peu ma fille maintenant. Dis-moi, tu as pris tous les médicaments et surtout toutes les vitamines que j'étais en. Comment ça, Tsuma? Ou pas répondre, non? Rad, mami. Rad? Si c'est Rad qui est rangé sous vous, normalement, pour la vie. Mami, c'est style la pose là, oui. Style qui ça? Rangé Rad là sous vous, on dit. Mami, c'est une nouvelle génération pour ça, oui. Qu'est-ce que ça fait de nouvelle génération à parler de la JBA? Ou quand ça privé, pas aimé en fait. Parce que dans condition ça, moi, sans les marchés, tout le monde. Alors, moi, je vais t'en sous, on me dit. Ok, mami. Bon, bien. JBA, pas bêtise sur la scène. C'est parce qu'on est comme non. Ah, Claudette. Où est-ce que ça fait de la génération ça? Si on parent, lui va prendre mieux la petite fille, la finavelle pour lui. Ça dit assez vrai, madame. Allons-y, allons-y, moi y va. Viens, je vais te montrer le cache. Je pensais que tu allais venir. Pourquoi? Quelle heure est-il? Il est 3h25, non? Tu aurais bien dit 2h. Je ne suis pas si en retard que ça. Tu m'avais pourtant toi dit 2h30, n'est-ce pas? Chérie, tu sais très bien. Avant l'heure n'est pas l'heure. Après l'heure n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure, mon amour. Tu es venu ni à 2h, ni à 2h30. Bravo! Je vois que tu as bien appris ta leçon. Il n'y a pas que cette leçon que j'ai bien appris, chérie. Quoi d'autre? L'heure du temps, merci. Toi, mon amour, et tu sais, je te connais bien. Ah bon? Tu penses me connaître? Tu es une bonne? Ah non, 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 merci. De quoi tu peux? De rien. Oh, allons-y. Où? J'ai quelque chose que je vais passer près de quelqu'un. J'aimerais bien que tu puisses avec moi. Chérie, je viens juste d'arriver. Restons ici ensemble. Chérie, je ne comprends pas. Quand est-ce matin? Et c'est très important. Oui, ah, je sais, c'est vrai, les vitamines. Quand j'ai constaté qu'elles m'ont fait aussi. C'est vrai que tu as un peu grossi, mais rassure-toi, tu vas retrouver ta ligne ici, parce que nous faisons tous du sport. Ah. Passons à autre chose. Où est-ce que toutes sortes de gens qui sont venus? Oui, depuis la première fois, je suis venu, je fais tout ça, je suis venu.
Bon, c'est qu'à la ce moment, je ne peux quitter, m'obliger à faire. Et comment est-ce que maman a souffert avec elle? Bien, mon petit deux mamie, le mal côté homme, bien dit que j'ai déjà payé, bien dit que. Finalement, je vais. Après, ça me venait ce qu'on me savait me faire. Et t'es elle-même, sauf. Bon, il était quitté dans mes mains depuis avant, maman était mauvaise. Toujours quitté la meilleure, parce que maman déjà fini mourir, maman quitté mon femme mal pour elle. Oh chérie, les hommes ne peuvent pas faire bien que ça. L'homme a besoin de bagaille dans mes mains, libre bon Dieu sans confesser. Puis bon monde passe, il n'a pas gagné. Mais l'homme finit une sale besoin de tout, puis mauvais monde passe le tout. Ah, mais de toute façon, tu t'es débrouillé comme une grande. Je suis fière de toi. Excuse-moi un petit moment. Oh, Iga, tu vas bien? Ça va, et vous toi? En forme. Ah, on était complètement de main. Ah. En tout cas, compliment, moi, venir ça pour quand tout. Alors, ce que maman t'a fait un show tout à l'heure. Ah. Après ça, en forme? Non, qu'est-ce que j'ai fait? Pas moi, Gilbert. Ça, c'est où là? Allô? Comment vas-tu, ma chérie? Tu es bien, merci, ou toi? Je suis chez moi, pourquoi? Ah bon? Tu viens? À quelle heure tu comptes passer? 2 heures. Ok, d'accord. Bye, chérie. Je t'aime. Yep. Comment elle fait de manquer Leila là pour pas arrêter? La fin est mieux de ça, non? Leila. Et mami? Je te connais. Tu fais toujours des misères aux servantes et garçons de cour. Je te rappelle, chérie, que Claudette vient juste de commencer. Donc je te prie de bien te comporter envers elle. Mami, mais reconnais aussi que tu as la mauvaise habitude d'engager des gens qui comprennent qu'ils sont rentrés dans la vie, n'est-ce qu'on parle là? Tout simplement espérons que ta Claudette reste à sa place. Ah bon? En tout cas, je veux que tu me promettes que toi aussi, tu resteras à ta place. Ok, madame. Très bien. Laisse-moi aller contrôler un peu ce qu'elle fait. Leila! Leila! Oui, mamie! Viens chercher mon gars pour moi. Qui l'a ça, mamie? Kounia, je suppose que c'est une démonstration déjà. Mamie, si c'est Kounia, vraiment pas grave. Oh, oh, ça fait ça! Parce que bien, il faut que je ne pas grave. Ouh, Leila! Mon tante m'a payé des dîners en là que petite la prendre aujourd'hui. Hein? Mamie, où dit mon gars, finissez, bon, on ne parle jamais de 10 jours. Ou bien la vie est folle, elle est mise en train de passer dans la station, hein? Ou faire la tenue, et puis c'est dans la station où elle est mise en train de passer. Mais qu'est-ce que tu dis comme ça? Sans dire la parole à personne, non? Ni moi, ni moi-même. Si tu m'as été malade de machine et que son monde qui tourne avec les mains, franchement, pas comprendre ça qui a passé. Si tu as arrêté au zoo, pas qu'on est que cousin ou à rentrer aujourd'hui. En tout cas, vraiment pas capable. Voyager là. Comment est-ce que tu es là? Vous connaissez très bien, mamie, tout d'un, vous connaissez mal la cérébrale. J'ai dit assez, vous pas chez moi, vous-même. Pourquoi ça ne va pas insister pour les gens? Et bon, allez, voilà. Comment vous-même, c'est même pas capacité? Oui, oui, oui. Maintenant, nous décidons de connaître qui laisse qui prend dans la station. Parce que nous connaissons clairement que la machine est en panne, donc son seul véhicule qui est disponible dans la carrière.